Grande tournée européenne avec le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur 2 mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Crasso prie tous les comités d'organisation de chaque pays cité de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00 337 80 860 057, 00 337 62 402 484. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit Dieu ce matin? Amen. Eh bien, c'est Denis Bell, hein? Toi qui fais lâcher ici, mais c'est toi. Tu l'as reconnaissé? Ça fait neige, tout ça. Peut-être dangereuse à voir. Ça va? Ah, j'en ai, non? Vous la regardez, on connaît. Là, tu l'as encore, on connaît. Faites attention. Hein? Dieu est puissant. Amen, amen. Ça va, monsieur? Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Bien. Qui a remarqué quelque chose sur lui? Qui? Oui. Non. Quand il venait ici, il faisait quoi? Il bavait. Il craque. C'est pas ça? Hein? Où c'est? On acclame le Seigneur. Quand il bavait là, ça dit bouche là, c'est ouvert. Vous voyez, où sont ses parents? Viens, monsieur, venez. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui, si. Hein? Si, qu'est-ce que vous avez remarqué? On a remarqué qu'il bavait, ça a sali, coulait à fond. Ça dit sa bouche coulait à fond. La salive coulait à fond. Le voici. Où est ça? Où est salive là? C'est fini. C'est fini. Tu vois pas qu'il a donné un peu de signe? Sinon, avant, il était comme ça. Il avait du mal même à parler. Hein? La langue était très lourde. Qui l'a vu? Qui l'a vu en train de baver? Qui l'a vu? Vous êtes témoin, hein? Amen. Vous-même, là, vous êtes des témoins. Vous venez ici à Peniel. Vous êtes témoin des choses qui se passent ici à Peniel. Vous êtes témoin. Vous l'avez tous vu, non? Moi-même, quand il est venu, petite tiquita mis dans nos vannes, la voix quand on vomit ça. Ça fait combien de temps ici? Ça a une semaine, c'est fini? Non, ça fait 3 semaines. Oui, mais en combien de semaines? Bon, ça peut faire 10 jours. Hein. Que c'est fini? 10 à 11. Qui l'a bavlu? Oui, oui, qui bavlu. Voilà. Amen. Son visage est incliné. Vous êtes témoin. Voilà, c'est comme ça on dit Dieu est quelque part. Amen. On dit Dieu est quelque part. Hein. Le jour il est vu, il venait regarder. Ah! Hey, vous savez ce qu'on avait bavé? C'est un cool. Mais c'est un sorcier, c'est que... T'es sorcier, pardon, t'es... Faut prendre par voix. Ça va? Oui, ça va. Ça soit maintenant? Tu es content? Oui, je suis content. On acclame le Seigneur. Merci pour le témoignage de Pénière. Le diable même sait que Dieu est ici. Amen. Monsieur,
Comment vous sentez? Je me sens mieux à l'aise. Hein? Je me sens mieux à l'aise. Mais... mieux à l'aise. Mais avant... Et mieux à l'aise. Lui-même nous apprend français. Mieux qui à l'aise des temps. Le mieux qui à l'aise. Vous l'avez vu, il a changé. Quand les gens viennent ici, après, ils prennent les vidéos. Hein? J'ai toujours dit ça. Abraham, quand les gens viennent ici, prennent les vidéos. Dès qu'ils finissent, parlez-vous, prenez les vidéos. Ça va? Oui, ça va. Comment tu te sens? Je me sens à l'aise. Ah, je suis à l'aise. Il n'y a pas mieux, les parties. Il a laissé mieux. Comment mieux? Je suis mieux à l'aise. Qu'est-ce que tu veux? Je veux être délivré. De quoi? De la sorcellerie. Prends le micro. Vous êtes sorcier? Oui. Allez-y, je vous écoute. Bon, au fait, j'ai été initié par ma tante. C'est lumière. Avant, il ne parlait pas. Par ma tante Brou. C'était une nuit, elle a préparé du foutou à la sauce à arachide et j'ai mangé. La sauce arachide est bien encore. Depuis ce temps, j'ai été initié. Faut avancer dans ce que tu dis. Bon, au fait, quand j'ai été initié, j'ai tué 11 personnes. On peut connaître les noms? Puis, j'ai tué l'enfant de mon grand frère. J'ai tué mon cousin. J'ai tué mon cousin encore. Il a tué mon cousin Martial. Il a tué mon cousin Jean-Paul. Il a tué mon papa cousin Vincent. Il a tué ma tante Afoué. Il a tué. Bon, après avoir tué, tu as fait quoi? Quand tu as fini de tuer, tu as fait quoi? Bon, quand il a fini de tuer, tu as gâté quoi? J'ai gâté l'argent de ma grande soeur. Comment tu as gâté? On fait toujours la même grande soeur. Tu as fait quoi? J'ai pris son argent et j'ai mis dans mon équipe. Tu as mis dans ton puits? C'était pour quoi? Bon, c'était pour gaspiller. Hein? C'était pour gaspiller. Gâté ou est gaspillé? Gâté. Tu as fait quoi d'autre? Mon Dieu, il a fait la première, c'est ça? Oui. Il a fait la première A. Il a donné UCE à la même grande soeur, comme maladie. Il a gâté son foyer. Tu as gâté son foyer? Oui. Comment tu as gâté son foyer? Bon, il a créé une dispute entre elle et son mari. Ok. Vous l'avez emmené chez tous les féticheurs? Oui, oui. On fait plus de 8 mois même dans un coin là-bas. Il a fait 8 mois dans un coin? 8 mois. J'ai un féticheur? J'ai un féticheur. Et là-bas, il a fait parler pour s'échapper. Il a même frappé la maman. Pendant ce temps, moi, il était en service à Sakassou. Okay. Donc, il a envoyé de l'argent de temps en temps. Mm-hmm. Il était sur la pauvre dame là-bas. A frappé un matin, s'est échappé. Donc, ce n'est que pendant ses vacances-là. Donc, il a demandé à ceux qui viennent. Mon petit frère, sur soeur aussi, il était affecté. Il lui a demandé de venir. Donc, on doit voir cerner un peu son problème. Dans moins d'un mois et demi, on a vu ses gestes. Quand la grande soeur prie dans la chambre, il sort, il défile seulement. Et quand on lui demande d'aller à l'église, dans une église, c'est mal. Il va là-bas. Quand il arrive, il se met derrière. Il ne veut jamais prendre la place de devant. Et il arrive à des moments, il a des frissons, façon quand ils sont en train de faire la prière. Donc, il mentait beaucoup. Souvent, il dit donc qu'il a mal là, au dos ici. Voilà, quand j'arrive du travail, puis je m'en mets sur l'infini. Quand j'arrive du travail, bon, comme le docteur vient là-bas, où tu as mal, il arrive à te soigner. Dès que j'arrive, il dit le mal est parti. Donc, entre nous trois, séance tenante au salon,
On a commencé à le coincer, puis il a voulu. Qu'il est associé. Qu'il est associé, qu'il a attaché même un de ses frères, ça lui est le dernier, l'avant-dernier étudiant qui est à Abidjan. Il a déjà attaché, il a programmé, commencé à faire ses premiers aveux là-bas. Maintenant, comment vous avez retrouvé la brigade? Bon, la brigade, je l'ai retrouvée il y a un peu longtemps. C'était à la télévision, vous êtes passé une fois à la télévision. Et j'ai enregistré le numéro. Mais il y avait égaré le numéro. Maintenant, je suis allé sur Facebook. Et quand j'ai mis le nom Prophète Kasso, c'est sorti. Il y a eu le 47 là. Donc, je l'ai appelé depuis Sakasso. Il a dit, quand il socialisait, que ça a dit vous là. Je ne suis jamais allé là-bas, mais ça a dit vous. J'ai pris le cas, il a pris le petit frère, la grande soeur, nous sommes venus. Donc ça me fait 4 voyages maintenant. Okay. Chaque semaine, je suis. Aujourd'hui, c'est votre jour, c'est fini. Sur le même internet où les gens s'insultent. C'est le même intérêt qu'il a le contact pour être délivré. Vous avez vu, quand vous êtes arrivé, d'ailleurs, ce qui s'est passé dans la vie de votre frère. Vous comprenez? En quelque temps, il a arrêté de baver. En quelque temps, il a commencé à avoir une lucidité de parler. C'est comme ça nous sommes. C'est les véritables enfants de Satan qui nous combattent. Sinon, nous, il n'y a pas. Si on n'existait pas, tu n'allais pas avoir solution à ça. Et comme Dieu est souverain, il restera le Dieu véritable et le Dieu de justice. Amen. Mon frère, il a fait une programmation. Quelle programmation? Bon, en fait, il a fait de sorte que quand il est l'agent, à chaque instant, les dépenses. Lui quoi? Oui. Comment? C'est ça? L'argent ne reste pas suffisamment. Ça reste pas. Quand ça vient, ça s'en va. Ça vient, c'est genre les dépenses. Les dépenses, ça va. Comment tu as fait? Tu t'es arrangé comment? L'autre, tu as mis dans le cuit. Maintenant, lui, tu as fait quoi? Pour lui, il a mis ça dans le canari. Dans le canari? Ah, il y a canari. Et quand tu mets dans le canari, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi sur le canari pour que l'argent se gâte? On lui a dit. J'ai prié là-dessus. Tu as parlé ou prié? C'est deux choses. Prier, c'est une invocation. Ce sont les incantations qu'on fait pour bloquer. J'ai parlé. Tu as dit quoi? Il a dit que son agent se gâte. Ben lui, t'as fait quoi? Franchement, il m'a rien fait. Et pourquoi tu gâtes son agent? Mais quelqu'un qui a fait la première A, c'est normal. Pourquoi son agent, tu gardes son agent? Il t'a fait quoi? Quelqu'un qui t'a rien fait. Qu'est-ce que peut te pousser à le détruire? C'est la sorcellerie, papa. Mais la sorcellerie, là, ça te rend bête ou bien? Je peux le dire. Non, mais souvent, c'est ça te rend bête ou bien. Oui, mais il y a quand même une petite raison. Non, il m'a chicoté. Je suis allé le brigander. C'est comme un enfant. Il dit, mon papa m'a bosqué la journée. Je suis allé bosser la nuit. Je le réveille l'enfant. Papa a fait couler la journée. L'enfant fait la nuit. Papa est tuberculose. Mais le gars, il t'a rien fait. Hein? Sans l'argent, on devient quoi? Attends, sans l'argent. Donne-moi ta main. Je libère tes finances maintenant, au nom de Jésus. Amen. Ton argent va rester maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as beaucoup reçu dans la construction des maisons. Et puis, tu vas faire beaucoup de champs. Voilà. Dans les champs, ton argent va venir. Et puis, dans la construction des maisons. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.
ton argent. Oui. Tu faisais quoi avant? Faisais la couture. Quelle couture? Couture d'âme. Tout arrêté ou tu continues? En tout cas, quand il a fait les trucs là, j'ai fermé même les dents, j'ai donné la clé à la dame. Pas rien ne bougeait. J'ai donné la clé à la femme. Tu as fermé tout son truc? Oui. Faut la regarder. C'est ta soeur. C'est ta soeur. C'est ta soeur. Oh. 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 C'est ta soeur. Oui, papa. Ça va? Dieu va restaurer. On va l'aider à faire un commerce. Et le commerce dans lequel elle va maintenant se mettre pour avoir de l'argent. Son sang est infecté. Ils lui ont donné une maladie et c'est dans son sang. Son temps de la détruire. Je ne dirais pas ça comme il y a des gens. Mais il lui a donné une maladie, c'est dans son sang, son temps de la détruire. Mais on va prier pour elle. Mais le riz, vous voyez là, c'est là qu'on va avoir sa richesse. L'argent du riz, seulement le riz, sa richesse va commencer. Puissance de Dieu, j'ai ma vie. Et je supplie pour l'instant. Je détruis la séance de diable dans ta vie aujourd'hui. Et je te libère dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es libéré. Engagez-la dans la banderie, l'argent va rester. Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Il est programmé lui aussi. Bien ici. Celui qui est le dernier, ils sont 8. Oui, et lui? Lui, bon, il est le troisième. Okay. L'ennemi qui est là. Qu'est-ce que tu as fait? Il est programmé. À quoi? Sur la sida. Hein? Sur la sida. Comment? En fait, dans la confrérie, cela m'a été demandé que... Je vois que sa vie n'est pas faite pour être ici. D'accord? Elle a besoin de... Tu tiens pour l'Afrique. Ok? Il recevra mieux hors de l'Afrique. Que la Côte d'Ivoire d'Afrique dans un premier temps. Okay? Tout à l'heure, comme je suis là toute la journée, on fait là la réception. On va rentrer plusieurs orientés. Comme ça en direct, je ne suis pas obligé de dire complètement tout. Mais il y a des choses qui peuvent rester comme secret pour lui. Mais lui, il est fait pas pour rester dans un premier temps ici. Il faut qu'il quitte. Et je donnera l'endroit selon Dieu où il va partir. Et quand il va le faire, il va faire les choses de d'autres manières. Mais comment je vais m'arranger? Quand tu as une révélation, les choses se créent. Tu crées les conditions et puis tu fais rentrer dans la révélation. C'est comme ça il dit. Quand Abraham partait, il ne savait pas où il partait. Mais comme c'est Dieu qui parlait, il allait par la foi. C'est ça qu'on appelait le père de la foi. Et les choses vont aller parce que c'est quelqu'un qui est riche. Voilà. Il a aussi la richesse. Et vous savez, c'est pour ça que je suis en train de regarder. Le diable vous détruit parce qu'il sait en vous les choses qui sont bien. Voilà, il voit en vous des bonnes choses, c'est pour ça qu'il vous détruit. Ça va? Je pense que tu as retenu ce qu'il a dit. Moi, tu penses à... Il m'a programmé à Sida. Oh, Sida. C'est ça, tu penses maintenant? Amen. Voilà. J'ai pensé qu'il passait à la Sida. Comment il va te faire Sida? On peut acclamer le Seigneur. Je prie et je fais la déprogrammation de mort dans le nom de Jésus. Amen. Je t'établis dans ta grâce et dans la bénédiction, dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et l'autre était où il est? Il est à Abidjan. Il peut venir le week-end? Il peut venir. Demain, on peut l'appeler. Faut l'appeler. Moi, je suis là toute la semaine. Je suis là jusqu'à dimanche. Voilà, tous les jours, j'aurai un programme ici. Je suis là jusqu'à dimanche. Okay. Vous êtes bénis, hein? Le feu
Esprit de la chancellerie. Sors. Parlez. Allez. 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 Sors. Tarzan. Je vous rappelle qu'on était en France. Oh, 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 oh. C'est Tarzan ou bien. Feu. Qui n'a pas fait Tarzan? On a tous fait, ça nous a blessés. On nous prend corps, on attache à nos tombes. Ah, le papa dit tu es quitté où? C'est Tarzan. Les blancs nous mentaient. Ils nous ont trouillés, on prend. Oh, oh. Ton bras, nos parents, que Dieu les bénisse, on les a trop maltraités. Hein? C'est la nuit tu rentres, elle te fait casser. Écoute-toi le mur. Le papa essaie que tu allais faire d'argent. Ben, ça pue tout le quartier. Fais aller! Ah, c'est grand frère. Le feu, je te chasse de ce corps. Je te chasse de ce corps. Je te chasse de ce corps. Esprit de la sorcellerie. Quitte. Quitte. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Tu vas partir dans le nom de Jésus. Lâche-le. 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 Au nom de Jésus. Tu le libères maintenant. Tu le libères maintenant. Dans le nom de Jésus. Soulève-le. Soulève-le. Dans le nom de Jésus. Tu le libères maintenant. Tu le libères et maintenant. Lâche-le. Lâche-le. Va. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Quitte sa vie. Quitte. Va-t'en. Va. Maintenant. Va-t'en. Tu quittes sa vie dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu te déloge de cette vie. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Quitte sa vie. Lâche-le. Lâche-le. Va-t'en. Va-t'en. Le feu. Consume tes œuvres. Le feu de l'Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Consume tes œuvres. Consume tes œuvres. Consume tes œuvres. Allez! Feu! Jésus te délivre. Jésus te délivre. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres. Lâche-le. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Jésus te libère. Il est délivré. Marche rapidement, tu viens.
Dieu ne fait pas un boulot à moitié. Voilà, donc le Seigneur qui a commencé vient d'achever un travail dans sa vie. Amen. Tout à l'heure, nous allons entretenir avec le pasteur, nous avons des actions prophétiques, il va prêter ses mains pour dire demain si je retourne, il ne faut pas que je meure et tout ça. Si je retourne, il faut que je meure. Tout à l'heure, il fera ça, il aura une action. Et puis, c'est fini. Voilà. On vient de finir la délivrance de la famille. C'est fini. Amen. C'est ça, dit amenez-les. Amenez-les pour qu'on puisse faire la déprogrammation. Mais c'est fini. C'est lui que vos sorciers. C'est fini. Le sorcier a été capturé, désarmé, et c'est fini. Amen. Maintenant, c'est les victimes qu'on entend de délivrer. Sinon, lui-même vient d'expérimenter la délivrance. Amen. Il faut maintenant aller à l'église. Monsieur, il faut aller à l'église. Ah, d'accord. Viens maintenant. Pour le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je décide de t'accepter. De t'accepter. Comme sauveur. Et Seigneur. Personnel. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. La personne que tu désires que je sois au nom de Jésus que j'ai prié Amen. Maintenant tu as le salut. Amen. Amen. Il est dans ta vie. Il faut marcher avec Jésus. Il t'a fait cette grâce de le connaître malgré tes nombreux crimes, malgré tes nombreux dégâts,
il a eu pitié de toi. Et toi, il ne faut pas le décevoir. Il faut marcher avec lui. Le jour où tu retournes à la sorcellerie, la mort s'abattra sur toi. Il faut que tu aies cette vérité crue. Va, tu es libéré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.